Salut les amis. Alors là je suis arrivé, je suis tout seul. Donc on est à Bréchevillers. Je vais faire une petite rando aujourd'hui. Bon, je viens de finir de me préparer et je suis déjà assez mouillé. Mais bon, ça va être sympa. Donc normalement on irait voir deux choses aujourd'hui. Donc à la base tout de suite un rocher. Puis on continue à faire le tour. On voit une grotte. Je crois que c'est la grotte Saint-Léon ou la grotte Léon. Je ne sais plus. Et bah après on sera de retour ici, donc une rando de 10 à 15 km, pas grand chose, juste pour vous montrer les environs autour d'Abrechevillers. Bon, c'est qu'une partie, hein, y a d'autres parties à voir évidemment. Donc voilà. Allez, je sors sous la pluie et c'est parti. Go. Bon c'est parti les amis, on départ à côté d'une église. Voilà, voiture se ferme. Et c'est parti, allez go. Ouais les amis, on est redescendu du... Pardon, 1, 2, 3, on est redescendu dans la vallée. Et je pense que justement ce qu'on va aller voir, le rocher du diable, ça doit être ce truc là, là-haut. Tout au sommet là-haut. Puis après on continuera par là. Et on reviendra par derrière là-bas. Voilà, allez on y go. C'est parti. Super temps par contre. Allez go. Le diable du rocher, la sculpture. Super. Génial. Bon allez, on continue. Donc là les amis, je longe un peu le rocher. Enfin, je suis monté un petit peu, je suis pas encore au sommet. Parce que j'ai vu cet endroit là. Allez, on va passer déjà. C'est limite hein. Oh, regardez. Vous voyez pas, il y a de la lumière là-bas. Incroyable. On se sent limite oppressé, je dois dire. Je vais aller voir là, mais j'ai pas l'impression que ça mène quelque part. Je me demande où ça va là de côté. Mais on le voit, il est tout là le rocher encore. Je vais faire demi-tour, c'est plus safe. C'est comme vous voyez. Ça tombe hein. Et je me demande ce qu'il y a juste là. Par précaution, on va faire notre tour. Allez, à tout de suite. Ah. Bon. Ça monte. Allez, je pense pas que ça soit le sentier, mais c'est plus court. Les crampons, ce serait pas trop, je pense. Ça glisse bien. Oh.
Génial. Voilà. Voilà. On est au sommet, les amis. Donc voilà, le petit abri. Juste là. Bon, pas le mieux pour dormir, hein, je vous le concède. Et voilà, on y est. Waouh. Génial. Et donc encore, on peut encore aller juste là, il y a quelques bancs. Oh, ça glisse, hein. Et donc moi, en fait, je viens de derrière là-bas, juste derrière la butte là. Et moi, en fait, maintenant, je vais repartir. Vous voyez là, hop, je vais partir par là et revenir en fait derrière ça. C'est le but, partir dans cette direction puis revenir juste là-bas. Voilà, super. Bon, une petite pause, hein. Ça fait bon, 40 minutes que je marche. C'est pas énorme. Bon allez, à plus. Bon allez, c'est parti. Vous pouvez voir, il fait pas beau. Donc je me suis habillé en chrome. Allez, on y va. J'ai rien oublié, moi. Bon allez, on y va. Bon mes amis, on est arrivé à Saint-Léon, petit village justement, non loin d'Abrèche-Villers. Bon, à pied, c'était quand même une heure. Ah là, voilà. Et donc là, on a la Saint-Pelle, la chapelle Saint-Léon. Voilà, je vais vous la montrer. Et donc on va se diriger en direction de la grotte Saint-Léon. Voilà, je vous montre ça. IXe siècle apparemment. Allez, Saint-Léon, 9e siècle. Sympa. Regardez-moi ça. Bon, si vous voulez lire, vous mettez sur pause. Et donc moi, direction la grotte. C'est par là. Allez. Presque flippant, tellement c'est impressionnant. Donc c'est la plus grande cavité naturelle des Vosges, 35 mètres de profondeur. Sympa, tous les ans ils font une crèche en plus. Voilà. Le saint pape Léonix, à l'occasion du 9e centenaire de sa mort, les habitants de Walscheid. Donc voilà, il y a des petits trucs, il y a des portes justement, où ils rangent des trucs, je pense. Ici aussi. Puis la grotte, elle va jusqu'à là-bas. Oh, le délire, j'ai vu ça. Elle va loin. Elle va très loin. Je sais pas ce qu'ils ont mis au fond là-bas. Bon, ok. Super! Regardez-moi ça! Je reviens pas, tu sais. C'est un grand délire. Super, super. Et en plus, il n'y a personne. Que demande le peuple? Ok. Bah voilà. C'était le dernier point du trek, de la rando. Maintenant, on va aller direction. Donc, direction Abrèche-Villers, la voiture.
retour à la maison. Mais avant, on a une petite route à faire. J'espère que ça ne me prendra pas une heure. Donc voilà, allez, c'est parti. Voilà, voilà, je suis dans la vallée des loups et donc là je me dirige vers Apresvillers. Voilà. Donc là, super petite boucle. Enfin, elle n'est pas finie, mais ça ne serait tardé, je pense, qu'au bout de cette rue là, enfin, au bout de ce chemin, on arrive. Donc voilà, super. Allez, c'est parti. Presque. Bon, voilà les loups. Fini. Donc j'ai mis 2h, 2h10 pour faire 10, 11 km. Ça va ? La toiture ? Top. Donc voilà, super boucle. Besoin d'infos, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donnerai la boucle. Il y a de super choses à voir. Le rocher, justement, du diable avec les sculptures. Il y a la grotte qu'on a été voir, la chapelle Saint-Léon, enfin, génial. Et en plus, dans un endroit totalement vallonné, juste à côté du Donon, non loin du Dabo. Donc voilà, super endroit les amis, je vous le conseille. Allez, on se revoit bientôt de toute façon. Allez, gardez-vous bien.